Les mongolitos. Comment vous allez, les mecs? Ben, moi, j'ai la forme. Bon, on se retrouve pour un Metal Gear Solid 5. The Phantom pain dans ta gueule. Donc, on va continuer là où on s'était laissé. Puis clique. Ok, Mother Base. Ouais. Ouais. Ouh, cool. Alors, est-ce que j'ai du nouveau? Armes et objets. Que dalle, je suis sûr. Specify a project. Arrête de planter, bordel. Je parlais du jeu. On n'a toujours pas débloqué de tenue. Bon. Ok, dingue. Bon. Please select a mission. Éliminer le représentant des facs. Stationné à l'aérodrome de Nova Braga. Il doit mener une inspection avec un trafiquant d'armes en visite. Alors attendez-vous à une sécurité renforcée. Ok, et comme d'habitude, on n'y va pas tout seul. Non, parce que je suis là. Bon, acceptez la mission. Oh. Alors, hop, hop. CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Head to the airport first. Ok, Dak. Bon. Alors. Boss, we have an emergency. Mother Base is under attack. The enemy is over on one of our platforms, and they're holding some of our staff hostage. If we don't do something, they'll try to take off with our men. That would mean losing some of our finest manpower. Boss, take back that platform. This is a race against time. For all of us. Get on this mission right away, boss. Oh, fais chier! Please select a mission. Bon, allez. On va aller déglinguer des gueules. Allez, on se casse, les mecs. On vient à la baraque. Ok, bon, alors, on va essayer de pas déglinguer des gueules. Alors, du coup, arme principale va prendre quelque chose qui flingue pas la gueule. Bon, ben, c'est le seul truc. Flic. Voilà.
Oh, mais pourquoi qu'il faut toujours qu'on nous fasse chier? Hein? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, les mecs? Bon, lancement de mission, blablabla. Allez. Oh. On va aller flinguer des gueules. On nous a pris la Moser base. Pourquoi que l'eau elle est verte? Il y a des algues? Je vais vous exploser votre sale gueule! Bande de petits merdeux! Un truc de seconde. Tac. Prends ça dans ta gueule, le merdeux! Est-ce que t'es moche? Et en plus, j'ai bu de la gueule! Mais je t'ai pas dit de grimper, je t'ai dit de le filetonner. Il avait bugué un peu de la gueule, ce con. Non. Filtonne-le sa gueule de petit merdeux. Comme dirait... Il y en avait deux, l'un sur l'autre. À mon avis, ils faisaient des cochonneries. Oh, t'es dégueulasse. Oh la vache!
Ils ont des prisonniers en plus. Regarde-toi. Bouffe. Des prisonniers. Un troisième prisonnier. Bon vol. J'ai cru que c'était un plan, ce truc là. Attends, il y a quelque chose qui va pas. Où il est l'autre mec que je viens d'étourdir? Il est pas encore réveillé. Sans déconner. C'est fou ce que des fois tu peux réfléchir, toi. Alors, bon, il n'y a plus l'air d'avoir d'ennemis sur cette plateforme là-bas. Oh, il est là. Forcément qu'il peut pas être fultonné. Il y a cette espèce de truc au-dessus qui fait chier. Brosse dans ta gueule. A plus, pauvre Nil. Ah. Là, normalement, il n'y a plus personne sur cette plateforme non plus. Ah, vous inquiétez pas, je vais vous faire votre fête, les mecs. Ils vont en chier. Mais tu vas en chier, mais tu sais même pas comment tu vas en chier, tiens. Qu'est-ce qui me fait le nerveux? Oups, oups. Ta gueule, toi! On dirait qu'ils se rebellent contre moi, les mecs. Ça pas que pas que pas. T'es pas chier, toi. Ok, j'ai une vue d'ensemble du bordel. Mais... Tiens, bouffe. Bougez pas, j'arrive. Je vais vous faire votre sale fête. Vous allez en chier et je vous pète la gueule. Qu'est-ce que tu fous en bas, toi? Bouffe. M'en doutais. Mais... Oh, mais c'est fou ce que ça peut me faire chier, ces trucs. Oups. Bon, hé. Tu sais quoi? Tu me gonfles. Allez. Fais chier à la fin. Ouais, c'est bien fait pour sa gueule. Mais... Ah ouais? Toi aussi tu veux pas aller fultonner? Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Noie-toi bien, espèce de sale con.
Comme ceux qui savaient pas nager, les petits merdeux. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Le chef est ici. Bah tu m'étonnes, c'est lui qui a pris le... Oups. T'as du bol, mon pote. Ils ont l'air d'adorer ça de se prendre des balles en pleine gueule. J'aimerais pas être à leur place. Hein. C'est pas par là. Il est où? Bordel de merde. Non, il faut que je trouve l'escalier. Tu me trouveras pas, pauvre nul. Mais bordel, mais je t'ai pas dit de descendre, en douille. Bien fait, beau ta gueule! T'enlèves pas! Ouais, c'est bien. Et puis, je vais le donner, personne. Ne bougez pas, je monte. Il y en a des escaliers dans ce bordel. Les bruits. Ah bon? Les brouillards? Ah. Non! Descends pas, sale con! Pourquoi je peux pas? Ah merde, il est mort! Alors toi, je vais te faire ta fête! Vas-y, attends, vas-y, essaye! Boum! Prends ça dans ta gueule! Vas-y, relève-toi, j'ai pas fini avec ta gueule! Débrouille, sale con! Ouais, bah pour un soldat, t'es vraiment une mauviette! Allez, vas-y! Allez, attaque! Attaque, sale nœud! Allez, plus de la gueule! Eh, je suis là, pauvre nul! Oups! Bon. Boss,
désolé. Ah non, je suis pas désolé, ils ont pris notre base en otage. Lay down your weapons immediately. Surrender now. You will not be fired upon. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete, boss. On s'en fout. Kikongo. Ouais. Mission list updated. Heading to FOB. I know you're an expert when it comes to solo infiltrations, but now you have buddies who will fight alongside you. Use your iDroid to deploy them whenever you like. The role of your buddies is to support you during missions. There's more than one way for them to do that. To get the most out of a buddy's abilities, you need to give the right order for the situation. Mais je m'en fous un peu. Oh. Dispositif de sécurité, mais j'en ai rien à foutre. Elle est imprenable. Ah. J'ai complété la mission 22 avant la mission 21. Tu es un expert, Homer. Alors, sélectionner l'équipement. Ouais. On va changer de tenue, les mecs. Parce qu'on commence à schlinguer. Non, c'est pas ça du tout. Non, attends. Ouais, c'est un petit peu plus classe. Bon, allez, on se casse. Bon, avant qu'on nous casse les pieds avec la Mother Base, on était rendu là. Eliminate the high-ranking CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Head to the airport first. Avec. Ouh,
pas mal le truc qu'on a eu. Alors... Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un truc repéré à la FOB. Urgence. Silver Nuke Hunter. Il veut qu'on lui pète la gueule à ce con. Bon. Deploying. Ça bugne un peu vu que c'est en ligne. Assistance d'un interprète. Ouais. Il va interpréter ou c'est ma main dans sa gueule? T'as vu? T'as vu? Je peux rien faire sans que ça bug internet. Comme quoi je suis dans un pays de cons. Oui, non, mais ça va, on va finir par le connaître par cœur, le bordel. Et voilà, maintenant il fait jour. Vous commencez à me les briser, les mecs. Non, pas vous, eux. Ah. J'ai bien cru qu'on allait se faire flinguer la gueule. C'est plutôt nous qu'on va flinguer des gueules, ouais. Bon, cette fois, ne m'emmerdez pas, les mecs. Bol. Soutien coéquipier. Qu'est-ce que c'est? Ordre. Ah bon? Oh. Ok, dingue. On a envoyé là-bas pour y être en reconnaissance. Ok. Bon. Là, on a une vue d'ensemble du bordel. Non, vise lui. T'iras jamais loin si je te fous une balle dans la gueule. Attends, Coyette. Oh, vas-y, tire. Essayez d'y aller discretos, Carlos, parce que si on se fait repérer, on est foutu! That's an enemy gunship. Don't try to take chopper, we'll be arriving any minute. Watch out. Je lui pète sa gueule! Au vu de l'hélico, je crois pas qu'on aura le temps de visiter les lieux.
Attends qu'il se pose. Attention. C'est sûr que ça va être difficile de le quitter des yeux, ce délico. Dans votre gueule à tous les deux. Fais pas chier. Mouli. Ah, c'est blé. Mouli tout doux. Prenez votre envol, les mecs. C'est pour ça que t'as un masque à gaz, parce que tu pues de la gueule. M'en fous, j'ai pas peur. J'allais savoir ce que c'est de me foutre en colère, bande de sales cons. Faire la poufiasse et prends ça dans ta gueule. Même pas de cassette dans cette radio. Bon, on peut se barrer, les mecs. Thank you.
Où ils sont? Merci, Queenette. Ok, dingue. Bon, allez, on se casse. Unit function added. Please support helicopter requested. Boum! Ils ont plus de, ils ont pas payé EDF. Allez Koyak, grimpe! Tu peux te la mettre dans le cul, tes unités de soutien. Ouais! Extraction arrived at mother base. All right, mission complete, boss. Ok, dingue. Boss, about that target you extracted. He says he wants to work for us. Having talked to him, he doesn't seem that bad a guy. Apparently, the arms dealer's people demanded they prolong the conflict, and he couldn't go against the management. That doesn't excuse everything he did, but his skills will make him a useful asset. Let's put him to good use. I've tossed that arms dealer in the break. The way he tells it, he worked in logistics with the South African army, but he was headhunted by Singer. Whoever gave him the orders would only have been a pawn of Skullface anyway, but apparently he hasn't been in contact for some time. He doesn't know much about Saner, not even what its president looks like. Just another cog in the machine. We've begun development on that new battle gear weapon that Emmerich was talking about. If you want to see how development's going, come take a look for yourself.
Ok. Pour l'instant, ça ressemble plus à une boîte de conserve qu'autre chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce truc? Oh, on peut grimper. Je sais pas ce qu'on peut faire. On peut faire quoi, les mecs? Je crois que ça va être la seule fois où on pourra rentrer dedans. No. Boss, I know you're just coming off this mission, but there are reports of child soldiers taking over Masa village after the CFA got wiped out there. They've been raiding the surrounding villages, so the people have requested we eliminate them. Check your mission list for the details. Okay. Eh? Boss, welcome home. Non. Non. Pardon, excuse-moi. Analysis complete. T'as vraiment une gueule de con, toi? Tu sais quoi? Tiens. Va demander. Attends. Je vais t'emmener avec moi. C'est pas la bonne plateforme. Elle est où la bonne plateforme? Qu'est-ce que c'est? Mais je m'en fous, moi. Ah. Mais pourquoi qu'on n'arrête pas de me casser les pieds avec vos conneries, les mecs? Eh, bli 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 bli. Et maximum. Appliqué à toutes les plateformes de toutes les FOB. Tous les ponts. Blablabla. N'importe moyenne. Ouais. On va leur défoncer la gueule à ces cons là. Là. Ok. C'est bon, vous allez arrêter de me casser les pieds? Allez. Non! C'est juste l'hélico que je vais appeler. Ok. Bon, toi, va demander à ta mère de te refaire. Voilà. Oh. Boss, have you lost your mind? Maybe you're not the big boss we hoped for after all. tu mets un mec dans l'eau puis ça fait un game over? Oh, il sait même pas nager le couillon. Bon là, allez reprends là, on arrête de faire des conneries les mecs. Ouais. Dernier emplacement connu. Oui, je sais, merci. Plateforme des renseignements. Plateforme ennemie. Plateforme de commandement. Oh, elle est là. Bon, attends. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Bon, on va appeler l'hélico. Roger. Oh, j'ai déjà envie de prendre ma retraite, les mecs. Thank you.
T'as vu comment elle a apparu, la couillotte, là? Oh, regardez-moi cette belle femme. Regardez-moi cette belle femme. Oh. Regardez-moi, elle fait ça mignonne. Regardez-moi, elle fait ça mignonne. Mais elle est mignonne, la petite couillotte. Oh, elle est mignonne. Ouais. La visibilité de nuit est bien plus faible qu'en journée, sans déconner. Mission update. I know you're just coming off this mission, but there are reports of child soldiers taking over Massa Village after the CFA got wiped out there. They've been raiding the surrounding villages, so the people have requested we eliminate them. Check your mission list for the details. Ouais. Mais il se répète, ce con. Bon, alors bref. Oh, plus faut fuir cette chiasse. Oh. Oui, oui, oui. Blablabla. Ouais. Tous les bons. Ouais. Blablabla. Ouais, mais vous me commencez à me gonfler, les mecs. Bon alors, est-ce qu'on va se barrer un jour? Ouais, t'inquiète pas. Heading to Central Africa. Bon, apparemment, il y a des enfants, alors du coup, je peux utiliser de flingues létales. Oh, Nigo! C'est toi, Nigo? Le mamba blanc. Si on dirait le nom d'un serpent. Mamba blanc, ça me fait penser à Kill Bill. À Mamba noir. Tu sais la femme qui a un cachet sur la gueule. The child soldier's commander. And bring him back to Mother Base. First off, head for Bwala Yamasa. Ah, the white Mamba, il s'appelle Ellie. Oh. Bah, il va aller dans l'hélicoptère, parce qu'il y a l'hélicoptère. Oh, quelle blague de con. C'est joli par ici. Ouais. Mamba blanc. Ok, d'accord, on va aller libérer le mamba blanc. Bah, capturer. Ok, alors, toi... Ouais, va là-bas, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ouh, y a des gosses là. Le pire, c'est qu'ils ne louent pas de regard, c'est con. Tu mérites des claques dans ta gueule. Pourquoi que papa... Vous vous foutez de ma gueule? He's
peut pas faire autrement, ça fonctionne pas les filtres normales. Pourquoi ils gueulent comme des cons? On dirait qu'ils ont la chiasse. Mais écris pas comme ça, je vais pas te faire peur. Vous faites moi le malin maintenant, les cons. C'est bien fait pour la gueule, une claque dans la gueule. Non mais c'est quoi cette génération de cons? Ils se croient tout permis. C'était pas comme ça à l'époque. Ouais, mais malheureusement, on n'est plus dans les anciens temps, mon père. C'est bien ça le problème. Ici, tout le monde fait ce qu'il veut. Regarde-moi ça, maintenant des gosses ont des flingues. Tu vas voir ce que je vais leur foutre dans la gueule, et puis crois-moi que c'est pas un tranquillisant. Vous savez quoi, on a déjà passé par là. Vous vous rappelez quand je me suis mis ici et puis qu'il y avait deux espèces de couillons qui étaient en train de causer ici? Ouais. Y'a rien dans le poste? Ok. On va y aller tout doucement, les mecs. Bordel de mes deux. Un bouffe. Pourquoi qu'il peut pas s'envoler? C'est quoi ce bordel? Ben j'invente pas, il peut pas prendre le fulton. Toi je te libère. Je crois que c'était un plan. C'est ça. Ils savent bien tirer, ces enfoirés. Tiens, procède dans ta gueule, toi. C'est bon, vous allez plus me faire chier, bande de nuls. Mais c'est ça, criez, criez, vous allez perdre votre langue. C'est bien fait pour leur gueule. Oh, c'est des enfants qui font des conneries et puis qui jouent un flingue. Bon, là y'a que dalle. Là y'a que dalle. C'est vraiment pourri ici, les mecs. Ça me rappelle les bidonvilles dans Resident Evil 5. Ok. Non mais c'est là-bas qu'il faut que j'y aille. Je sais. Attends.
Tu dois aller où, Homer? Ben, je sais pas, apparemment, faut que j'aille sur le bateau. On va aller voir ce qu'il y a. Ouais. Je suis le maître du monde. Ta gueule. Je vole. Ouais, comme une folle. Et Joséphine dans ma machine qui vole, ça vole comme une folle. So you're the so-called White Mamba. Something tells me that's not the name your parents gave you. Il a pas encore bouffé son déjeuner. Ah ouais? Ramène ta gueule. Allez, ramène-toi. Allez. Boum. Tiens, prochaine claque dans ta gueule. Espèce de mal élevé. Allez, allez. Allez. Ramène ta gueule. Hop. Deuxième claque dans ta gueule. Allez. T'es nul. C'est pas avec ça que tu vas me péter la gueule, sale merveille. Vas-y, Coyote, occupe-toi de lui. Malin, il est passé où, le couillon? Il est parti se brosser les dents? Ouf, ouf. Ok, tu m'as touché une fois. Mais c'est la seule fois que tu vas me toucher, sale con. Allez, allez. Ramène ta gueule. Ouh, il pleut. Oh, tu vas enlever ta couche? Hein, tu vas enlever ta couche? T'es où, sale con? T'es là-haut? Non, t'es pas là-haut. Tu te fous de ma gueule et puis tu te caches en plus. Tu parles d'un morveux? Héros mon cul, hein? Il marche sur l'eau, regardez. Ouh. J'arrive, je suis là. T'es où toi? Pourquoi que c'est moi qui viens et pas toi? Tu joues moi le malin, hein? C'est bien fait pour ta gueule, sale petit merdeux. Non mais tu crois quoi? Pourquoi que t'es pas à l'école? Hein? Pourquoi que t'es pas à l'école? Je vais t'apprendre l'éducation, moi. Et avec des baffes dans la gueule, après. Ouais, des coups de perroquet. Il va bouffer de la soupe et puis tu vas chier liquide.
Extraction arrived at Mother Base. Crâneur de mes deux. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Oh, c'est celle qu'on a extraite. J'ai les yeux. Bon, on va lui foutre une bœuf dans la gueule à celui-là. Il s'en est pris deux belles grosses en pleine gueule. Never draw a weapon on a fellow soldier. You got that? Anyone here can use a knife or a gun. What you're gonna learn is how to use your head. Let's move! When you get that under your belt, then you're free to leave. Roger. Thank you.
Mission list updated. Ok, bon. La tréphobie a subi des dégâts. Contact est rapproché. Suivez les deux ingénieurs, Sylville, un homme et une femme, retenus dans la zone industrielle de Ngumba, poste de garde sud-ouest. Ils ont été envoyés dans la zone par une ONG médicale et ont disparu peu après. Ok, Dak. Bon, on fait les deux missions et après on s'arrête. Bah, plutôt que de me faire chier à aller trop loin, on va aller ici. Comme ça, on est juste à côté. Bon, on peut reprendre notre flingue principale. C'est quoi HB? Canon long? Un canon long forgé à froid lui donne plus de précision que les autres fusils d'assaut. Oh. Ouais, mais c'est une balle par balle. Ah non, c'est fusil automatique. On va prendre ses petits flingues. Hop là. Contact rapproché. Please select a deployment point. Marker placed. Marker removed. Je t'ai envoyé au mauvais endroit. Please select a deployment point. Va là-bas. Moi, je vais là-bas. C'est l'aéroport de tout à l'heure, ça. Oh, j'ai pas le temps de me battre, les mecs. Hein, je me casse. Mauviette. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai envie d'avancer. J'ai pas le temps pour vos conneries, les mecs. Bouf! Ah, je suis toujours aussi fan de ce bruit. Avec le martial. Oh. Ah ouais, donc on aura la gueule Fox si on capture un renard. Oh ouais. Boss, an enemy squad is on its way to the guard post. Watch yourself. Merci de me prévenir, mec. Oh la vache. Faut faire tout le tour. Mais pourquoi qu'on se retrouve baisé à chaque fois? Faire tout le tour à chaque fois des montagnes. On peut pas passer par-dessus avec un méga saut? Ça aurait largement été plus rapide. Parce que ce serait pas le cul à gravir des trucs. Et des trucs et des trucs. Alors j'espère que tu seras pas bouché, sinon je te pète la gueule.
Ah. Bon. The map has been updated. Et c'est moi ou tu viens de sortir tes jumelles, Lana? Parce que si tu viens de sortir tes jumelles et que tu m'as pas vu et puis que tu les as rangées sans être alerté, c'est vraiment que t'es aveugle. Même mon père avec ses yeux, même s'il est vieux, il voit plus que vous. Bon, t'es incapable. Et après ça, je dis soldat mon cul, hein. Attends, flingue-les pas tous en même temps. Oui, je vais vous aider, madame. Et je vais vous aider. Et je suis là pour ça. Ouais, c'est ça. Mais commence pas à me lécher le cul, sinon je te pète la gueule. Researching it as well. Better quit while you can. I've been here for 5 years. I've never seen anything. That coward ran off without me. Not that I hold it against him, really. He suspected I was infected for quite some time. Obsessed over it. That place must have really spooked him. I always wore full protective gear during the examinations. There's no way I could be infected. And so you needn't worry. Fire! I'm all right. Please. Get me out of here. Oui, je vais vous sortir de là, mademoiselle. Ok. Bon, et toi, qu'est-ce que t'as raconté, gueule de con? Oh ben, c'est quoi ce cri? Transmitted, but she's probably already just like, yeah, she must be. Forgive me, it was every man for himself.
C'est beau que t'as fini de blablater? Non, parce qu'on a un hélico à choper. Please select a landing zone. Oh ben elle est ici, c'est plus cool. Extraction arrived at the mother base. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Une plante, et on se casse. Joli travail, Homer. Merci. Alors, papa, qu'est-ce que tu penses des couillettes? Mais j'ai toujours envie de la déglinguer. Ah. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Rang S. Rang S, bordel. Boss, we placed the two targets in quarantine. They don't show signs of anything, but we'll monitor them just the same. If they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some health organization. Cypher used them, and would have eliminated them eventually. But we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examined the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting. He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English was one of them. Fauteur de trouble. Tu m'étonnes avec ta gueule que t'es fauteur de trouble. Putain, mais vous avez des gueules à dormir debout, les mecs. Regarde-moi le mignon. Bah, t'as qu'à dire que je schlingue, espèce d'enfoiré. Ouais, c'est vrai que tu schlingues, et pas que corporel. Tu peux aussi de la gueule. Hein? C'est vrai? Oh, c'est dégueu, c'est vrai en plus. Ah. The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, chief. What's the matter? Oh!
Stop this. Now. Still. Dismissed. Payback for how they treated her? Doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tighten security on her cell. This happens a second time. There won't be a third. Project went missing in Africa. The age would be about right. Now, I'm not saying I think it's Eli, but I want to run a genetic test all the same. Don't worry, I'll have it done without him noticing. The test may take some time, but I'll tell you as soon as we have the results. Vous avez vu comment qu'elle les a déglingués? On peut la faire chier, la bouffiasse. Alors papa qui est tapé un squat, Coyette, hein? T'as toujours envie de la niquer? Pas du tout, pas du tout! Regarde-moi! Regarde-moi ça! Ah, j'ai plus envie de la niquer! Ah, regarde ça! Elle est toute mignonne, regarde! Oh, elle est toute jolie, regarde! Oh. Et qu'elle est mignonne! Ah, qu'elle est mignonne, la Coyette! Ah, ouais! Ah. Elle est en train de faire câlin et des barreaux là. Y'a pas un problème quelque part. Au moins elle mouille. Arrête de te foutre de ma gueule, toi! Tiens, et bouffe! Tiens, prends! Oh, douille! Ramène-toi, toi! Je te fous mon pied au cul, c'est le con! J'ai plus envie de la niquer, du coup! T'as vu? C'est pour ça que j'avais rien dit depuis le début! Parce que tu le savais qu'elle était comme ça! Ben non, mais je savais qu'elle allait péter la gueule au mec à un moment donné à force de faire chier. Ben tu payes, est-ce que tu récoltes ce que tu sèmes? Ouh, elle est sortie de tout. On va faire une dernière mission, les mecs, et après on se casse. Please select a mission. Vise bien et venge-toi. Un groupe d'enfants soldats qui s'y sont séparés des rebelles MBL ont capturé leur commandant en second. Extrayez le chef des enfants soldats et le numéro 2.
Mission accepted. Heading to Central Africa. Mais pourquoi qu'on me fait chier avec ce genre de mission pourrie? Je leur pète la gueule, moi, ces cons. Bon, je vais quand même partir avec un flingue létal et on verra ce que ça donne par la suite. De toute façon, on peut pas flinguer des gosses. C'est ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Ta gueule. Your mission objectives are to extract the child soldier's commander and their captive, the general's number two. This child soldier platoon decided to break away from the Mbeli militants. They took the number two captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. See that they don't get hurt. J'en fous quand même une balle dans la gueule. C'est tout ce qu'ils méritent, de toute façon. Pas l'air d'être trop trop loin. Donc du coup, t'as vu? C'est l'aéroport, on avait été. On est exactement au même endroit. Ça change pas beaucoup. Attends, j'avais Ok, Dak. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Voilà, où sont ces gosses? Je vais leur faire leur éducation, tu vas voir. Reconnaissance is best conducted from high vantage points. I've marked a good spot on your map. Take a look at your iDroid. Extraction arrived at Mother Base. The map has been updated. Faites-moi les malins maintenant, bande de cons! There he is, the commander. Extract him. Tiens, bouffe! Bah, il veut pas le sfiltonner, ce coup. Ta gueule, fais dodo, toi. Mais t'en fous, moi, mort de faim. Oh, vous me faites chier, les mecs. À chaque fois qu'il faut que j'appelle l'hélico pour vous... Qu'est-ce que c'est, ça?
The map has been updated. Il est où l'autre? Je vais te le foutre dans la gueule, moi. Ouh, à plein. Isando. J'avais déjà été chercher ce plan là, mais c'était pour un autre flingue. Bon, et toi? Non, il veut pas. Il veut pas ce con. Bon, alors attends, qu'est-ce qu'on a là? On n'a plus que dalle. Bon, je casse. Ah, il n'y a pas plus près. C'est quoi ça? Mais attends. Il faut que j'aille là. Il y a un truc là-haut, il faut qu'on aille voir. Attends. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Il y a... Ouh, métal précieux. Ok. Il y a quoi là? Ah, un petit dac. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est quoi le bip-bip? Quoi récupérer là? Marker placed. You have arrived. Extraction arrived at mother base. Point de vue. Oh! Bon, maintenant faut aller récupérer les deux animaux que Coyote a endormi. C'est où? Ça doit être là-bas, je crois. C'est où? C'est où les animaux qu'elle a endormis? Apparemment c'était important parce qu'elle leur a visé la gueule. Attends, on va aller voir là-haut. Mais arrête de glisser, bordel!
Bon ben tant pis. On les aura une prochaine fois. Et forcément il va arriver avant nous ce con. Ouh, il y a une bagnole à choper. On part en balade, bien fait pour ta gueule. Viens avec moi, gueule de merdeux. Et toi, casse-toi. Et hop là. Qu'est-ce que c'est? Attends. Non. Bah tant pis, on verra ça plus tard. Croyez, t'avais repéré quelque chose, ça aurait pu être le truc qu'on aurait voulu choper. Enfin bref. Faut pas me faire chier ces conneries. Qu'est-ce que c'est? Mission complete. Great work. Robé mon cul, hein. Tell them we took heavy resistance from the Renegade platoon, and the hostage was killed in the firefight. Also, their leader wouldn't let himself be taken alive. I doubt the client will pay us for this one, but we got a big enough reward from the General's number two instead. And as for the number two, he's saying he wants to join Diamond Dogs. I guess he knows what that means for him. He said, if I'm working for you, I can be number two or number 200 for all I care. La plateforme de quarantaine a été construite. Vous pouvez changer de plateforme en utilisant le menu retour à Moserba sur votre hydroïde. Lorsque vous êtes au centre de commandement aérien. Ok, dac. Fauteur de trouble. Passé. Ouais. Bon, on va faire un... Attends. Boss, we have an emergency. Many of our staff are falling ill. At first, it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. Je suis déjà dedans, pauvre Neil. Mission list. Look closely. Those are the symptoms of the infection on Mother Base. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a sparganum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, have you ever seen these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility? The bedridden test subjects at the Devil's House? This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties. But the problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. And it'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution.
but at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid. Ok, j'ouvre mon iDroid. I'll explain how to quarantine staff members suspected of infection. Go to the Mother Base menu and select Staff Management. First, take a look at the quarantine facility we've set up. We'll isolate anyone who's already symptomatic at the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected, but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, reassign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual. If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the pathogen, we can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this. Ok, deck. Qu'est-ce que ça fait si je le mets là, lui? Je dois aller normalement sur Strix. Ok. Zone de camp. Ok.
Attends les mecs. Fait chier. Bon, attends, il faut que je fasse un par un maintenant. Kikongo. Attends. Faut que j'enlève tous les couillons qui parlent le Kikongo. Bon, toi t'es mort. Je crois que c'est elle qu'on a recrutée. Kikongo, 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 Kikongo. Vous pouvez pas parler une autre langue là, les mecs? Bon. On va faire ça, puis après on arrête, hein, les mecs. Parce que là, ça devient trop chiant. Kikongo. J'en ai recruté du Kikongo. Kikongo tout court, ouais. Et en plus, j'ai la dalle. Kikongo, Kikongo. Kikongo, Kikongo, Kikongo. Kikongo con. Kikongo. Kikongo, Kikongo. En douille. Je croyais que c'était plus tard, moi, que pouvait enlever les Kikongo. Et après, on va peut-être traiter de raciste, parce que la plupart des mecs qui parlent le Kikongo sont des blacks. Ouais, en gros, il faut que je vire tout le personnel, quoi, si je veux pas me faire chier. Kikongo, Kikongo, Kikongo. Putain, mais vous êtes chiants, les mecs. Kikonguignol, ouais. Je peux pas dire grand chose les mecs pendant que je fais ça. Faut m'excuser.
il faut m'excuser. Et moi, je vais pisser. C'est lui l'interprète. Ouais, c'est ça. Assigné à l'unité de soutien pour permettre l'interprétation simultanée de l'Afrikaans. Ok. Il y en a des langues dans ce bordel. Pas que j'en loupe un parce que sinon il va falloir que je fasse un par un pour retrouver ceux qui parlent le Kikongo. Ta gueule! Je savais pas que Pashtun était une langue. Je suis peut-être débile, mais pas stupide. T'es les deux en même temps, de toute façon. À toi la ferme. Encore des Kikongo ici. Oh la vache. J'arrive déjà pas à parler l'anglais, c'est pas pour parler 5 autres langues. Pas beau, toi. Ça se voit que t'as pas vu ta gueule dans un miroir. Pourquoi? Parce que t'as une sale gueule. C'est
C'est vraiment pas cool. Caution, rain approaching. Select unit. Staff has been quarantined. All right. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? Incredible, boss. Thanks to you, the number of new victims has plummeted. And the common point between the infected... Is it really possible for a disease to spread because of that? Qu'est-ce qu'il vient m'emmerder, lui? Select unit. Staff has been quarantined. Faut pas les virer, de toute façon c'est con. Oh, il y en a d'autres là, des Kikongo. Oh, vous me faites chier les mecs, sans déconner. Je savais que j'allais en oublier. Je suis sûr, ils ont fait exprès d'en rajouter pour que j'y refasse encore un tour de vie de quarantaine. Arabe ?
méritez des grandes claques dans votre gueule, les mecs. Pourquoi vous parlez d'une langue que vous parlez jamais? Kikongo, je sais même pas ce que c'est que du Kikongo. Je sais même pas de quel pays ça vient, ce truc. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes pas Kiko, mais vous êtes... Non. Vous êtes pas... Vous êtes con. Ouais, voilà. Ouais. Vous êtes con. Faites pas chier. Glacier. Comment tu veux prendre un mec au sérieux avec Glacier? Ouais, t'es pas le Kikongo, faut que tu dégages. Je ferai un meilleur battle gear que toi. Par contre, toi t'as une battle gueule. Passe tout. On dirait un nom de doudou. Patchtoon. C'est tout? Bon, normalement c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, bordel? Je te préviens, s'il y a un autre Kikongo, je lui pète la gueule. C'était pas prévu. Ça fait du bien quand ça s'arrête la pluie.
Letton. Il doit y avoir un quiconque dans la liste, c'est pas possible. Parce que je suis complètement bloqué. Quiconque gros con, ouais. Je regarde tout doucement. Tout doucement. C'était ma maman. Ma vraie maman. Bon, j'ai cherché partout les mecs, mais il y avait... Non, ça veut pas. Bon les mecs, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour la prochaine partie. Je sais plus où on est rendu. Je crois que c'est 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 40 000. Je sais plus. Bref, prenez soin de vous. À la prochaine. Et puis à plus. Salut bande de nuls. Salut les abrutis.